Je pense qu'après avoir fait un beau panda à son petit frère Tilian, Maëlys a droit à sa belle licorne. Donc, à vos feutres, à vos crayons, et Maëlys, nous allons te faire une belle licorne. Alors, pour faire une jolie licorne, nous allons commencer par la corne, comme ceci, et on va faire de belles rainures tout le long. Voilà. Ensuite, nous allons continuer par le toupet. Alors, certains savent déjà ce que c'est que le toupet, c'est la frange du cheval. Donc, comme la licorne est un peu un cheval aussi, eh bien, elle a un toupet. Maintenant, les oreilles de chaque côté de la tête. Voilà, et on termine les oreilles comme ceci. Ensuite, nous allons continuer par le museau. Voilà, on descend, tchoup, on remonte. Et ensuite, nous allons faire la bouche et on continue la tête. Voilà, comme ceci. Maintenant, les yeux, donc un rond, on va lui faire une paupière, des cils et vous voyez, demi-lune et le petit rond pour la lumière. Le naseau en forme de 6. Et ensuite, nous allons continuer par les pattes. Donc, les pattes de devant qu'on va évaser en bas pour faire les sabots. L'autre patte et on remonte, on finit par l'encolure. L'encolure, c'est le cou du cheval. Hein? Voilà. Ensuite, nous allons faire les sabots arrière, donc assez gros comme tous mes petits personnages qui sont assis. Hein? Vous commencez à les connaître maintenant. Alors, on fait le pied et ensuite on fait le sabot. Et derrière la cuisse, donc voilà, ça c'est l'arrière du sabot, on continue, on fait le pied et ça c'est le sabot parce que évidemment chez les chevaux ce sont des pieds, pas des pattes, et l'arrière de la cuisse, on termine par les fesses et ensuite nous allons faire la crinière. D'un côté, de l'autre nous allons faire une magnifique queue, vous allez voir, voilà, que je vais agrémenter un peu, comme ça vous pourrez la colorier de façon originale. Vous verrez à la fin, je vous ai fait un coloriage, alors après vous faites comme vous en avez envie, hein. Moi je ne suis pas l'exemple. Créer, c'est important. Et de l'autre côté, on termine la crinière. Voilà. Comme ceci. On finit par les poils des pattes. Au-dessus des sabots. Et on va signer. Voilà. Bon coloriage! J'espère que cette licorne t'a plu. Je te fais un gros bisou ainsi que à tous mes petits copains. Je vous embrasse bien fort et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager, vous abonner avec la petite cloche sur YouTube, sinon sur Facebook tous les jours. Je vous embrasse et à demain.